Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue ici au stade du Togo à Kégué pour ce grand match, match de la Coupe CAF, Coupe de la Confédération africaine de football. Le premier tour préliminaire opposant Maranatha de Fiorpo du Togo au club libérien du LICA. Voilà, c'est les deux équipes qui s'affrontent cet après-midi pour ce tour préliminaire. Allez, Maranatha qui reçoit dans ce grand stade de Kégué. C'est le coup d'envoi ici donc au stade de Kégué pour cette opposition. Bonsoir Abel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes donc dans ce match très attendu puisque c'est un match qui marque le retour de Maranatha de Fiorpo, donc Maranatha du Togo aujourd'hui dans le cadre de cette campagne continentale. Sur le plan continental, si je peux me répéter, donc nous y sommes et c'est donc parti. Nous y sommes et c'est parti, c'est Maranatha qui siège d'entrée le camp libérien et c'est parti encore dans la zone de vérité de l'équipe libérienne. Maranatha avec le capitaine de cette formation, le doyen Ametepe Kodjo, affectueusement appelé Séclé. Et nous jouons donc ici la 3 minutes de jeu. Les deux équipes se présentent d'ailleurs très bien sûr l'aire de jeu. Et du côté de Maranatha, dans les buts, Daoud Messan au 16, 4 Prosper avant, le capitaine Kodjo à Métépé, Fergani Ayeva au Dossard 8, Gustave Yeboa au 10, 13 Anthony Assamoa et les Libériens qui avancent du côté de l'Est. Chaud d'alerte dans le camp togolais. Heureusement que la défense était bien en place.
Et les Libériens qui vont repartir, ils reviennent dans leur demi-camp. Alessa Champon dans sa 14 du côté de Maranatha. Soumaïla Moro au 15-21, Gafarou Yakoubou, Emmanuel Laria au 22, Francis Oussi, Oussou, autant pour moi, au Dossard 24. Maranatha qui a l'obligation de résultat à Champoint à l'Est et qui avance le jeune joueur de Maranatha, attention, qui, et voilà, c'est la zone de balle. Quel raté, il a raté quand même cette récupération. Rodrigue, ça joue naturellement bien des deux côtés, surtout Maranatha qui entame de plus belle manière cette rencontre. Il faut quand même signaler qu'entre-temps, il y a eu une action qui a un tout petit peu inquiété le goal de Maranatha. Heureusement que les attaquants libériens ou donc du club libérien n'ont pas pu exploiter cette occasion-là. Et ça, c'est la toute première incursion de Maranatha dans le camp de l'adversaire. Et cette action portée par Alex Achampon n'a pas pu aboutir, mais ce n'est pas encore perdu puisque les Togolais gardent toujours le ballon sur ce coup franc. Les Togolais gardent le ballon sur ce coup franc. Voté par Alex Achampon. Mal exécuté d'ailleurs. Ce sera une sortie de balle en touche. Une sortie de but. Donc la remise sera, tant pour moi, 5m50. Par le portier libérien Tommy Baye Sangos. Hier en même temps, le capitaine de cette formation libérienne. Touche pour Maranatha de Fiopo du Togo. Le portier Daoud Metsan pour relancer le jeu. Longue balle sur la tête de Laria Emmanuel. Alors qu'il va mourir dans les niches du portier Sangos du Libéria. Le Libéria par l'entremise d'Emmanuel Tapé. Dans sa 4 qui va retrouver le portier pour la relance. Bien sifflé donc de l'arbitre ivoirien. Jusque là qui tient bon après 7 minutes de jeu ici au stade de Kégué. Rodrigue. Ah oui, Kwasi Bureau qui officie donc cette rencontre, suit de très près les actions des joueurs et on entend également l'ambiance qui est assurée par des groupes folkloriques ici présents et on comprend également que ce jour est très spécial, surtout dans les communautés musulmanes, ce qui peut justifier le fait que le public soit en nombre pas trop conséquent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre du déplacement du stade de Kégué cet après-midi. Mais ce n'est pas un élément qui va empêcher Maranatha de Fiopo de quand même démontrer tout ce qui a été fait au cours du championnat et tout ce qui a également meublé l'étape de préparation de l'équipe pour ce retour sur le plan continental. Et donc face au Libéria, il est normal quand même que l'on soit à l'étape d'observation entre les deux clubs parce que dans l'histoire, les deux clubs, c'est la première rencontre entre ces deux clubs et c'est normal quand même que l'étape d'observation soit un peu
je dirais, timide, puisque il va falloir comprendre le jeu imposé par l'adversaire pour pouvoir adapter son rythme à ce jeu-là ou pouvoir chercher à contrecarrer le jeu. Donc voilà un peu l'étape que nous suivons depuis plus de 8 minutes maintenant sur ce terrain. Et là, Maranatha qui va essayer de mener une action avec un petit coup là qui n'est pas signalé par l'arbitre, hein, qui est très très proche des actions puisque nous sommes très très loin. Et donc, étant le seul maître du terrain, on espère bien que ces prestations vont découler la victoire attendue de Maranatha de Fiocco. Victoire attendue de Maranatha de Fiocco qui obtient encore un coup franc rapidement joué, et c'est très dangereux pour le club togolais sur cette action. Et heureusement pour le Togo, Soumaïla Mouro est revenu pour éviter le pire. Anata Ametepe Kodjo, à Champoint, Alex, et qui cherchait donc Gafaru Yakubu. Et ce sera une sortie de ballon, sortie de balle donc en touche. Les Libériens à l'entremise Marlon Harrison, et en coup franc pour le Libéria. Alors c'est Champoint qui reçoit les injonctions de l'arbitre. Il faut aller doucement. Il va lentement, va sur Roma Ditome. Maranatha a besoin donc d'une victoire, non seulement une victoire, mais assurer sa qualification dès ce match. Allez, coup franc pour le Libéria. Coup franc plus dangereux pour le club togolais. Lance du côté de Maranatha de Fiocco, attention, assez raté. Le premier assistant, ils se sont rappelés, Kwame Gabriel Kanga de la Côte d'Ivoire. Pour rappeler que le Quatuor vient donc de la Côte d'Ivoire. Le commissaire au match, c'est Fai Kondé, et Guinée. Il relance de l'autre côté, mais ce sera une position d'enjeu signalée par l'arbitre assistant de Achoumou Herman Arthur Mélène Agui de la Côte d'Ivoire. Notre ami a un nom bien kilométré. Mais nous allons donc prendre le soin de vous donner la totalité de son nom bien aligné. Ça devient un peu très lent du côté de, en tout cas dans ce match, à Champoint qui tentait quelque chose de bon, il s'est loupé sur lui-même et le ballon va sortir en touche, profit de Maranatha. Après 14 minutes, Sissi Assobavi, votre observation sur
On remarque. 14 minutes. Oui, bonsoir Abel. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. On remarque depuis le début de la rencontre, les deux clubs s'observent. Mais il y a quelques minutes, on voit une légère domination des visiteurs qui ont par moment le monopole du ballon à partir du milieu de terrain et qui sont en train de déranger la défense de Maranatha de Fiocco. On n'a pas encore vu, on ne voit pas encore le grand jeu du côté des messagers de Fiocco. On va attendre les 15 minutes pour voir réellement ce qui va se passer dans ce match. Mais pour le moment, le match n'est pas très très emballé. On attend toujours le déclic dans cette rencontre. On attend justement le déclic dans cette rencontre entre Togolais et Libériens. Ce n'est pas quand même le grand public ou alors le public des grands jours. Ici au stade de Kégué, cet après-midi, vous savez qu'il y a la fête de la Tabaski, le Aïd El Kébir. Il faut rappeler que les vaillants supporters de Maranatha sont musulmans. Et ils sont concentrés donc à la religion cet après-midi et à leur fête. Ce qui explique cette situation, mais bon, les fans du club, les membres actifs et les sportifs les plus curieux ont effectué le déplacement du stade de Kégué, histoire de pousser le club togolais à la victoire et surtout à la qualification. En tout cas, sur la qualification des le match aller, il faut assurer l'essentiel qui est naturellement de marquer autant de buts. Et ce coup franc qui a failli surprendre le portier, mais bon, qui n'était pas cadré. Et Maranatha qui reprend donc le jeu en compte. Les Libériens, à nouveau, dans le camp togolais, de l'autre côté du terrain, sur le côté droit, il va passer, attention, à MTP pour assurer l'essentiel, alors que Alessa tient point. A été touché, il est par terre, Alex à Champoint et l'arbitre est allé donc à son chevet. Il a été touché. Il a été touché par un joueur libérien, Alex. Ah oui, il faut le surveiller, il faut prendre soin de lui. C'est le meneur de jeu de Maranatha de Fiocco du Togo. Sur qui tout le Togo compte cet après-midi pour assurer l'essentiel. On espère bien qu'il va retrouver sa forme. Il va se mettre debout. D'un instant à l'autre, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce grand garçon. Le voilà donc se mettre debout sur ses deux pieds.
même s'il boitille un tout petit peu, et il va reprendre le jeu dans le grand bonheur des fans de Maranatha et du public sportif togolais. Sur le ballon, la Farou Yakoubou va jouer pour Prosper avant qu'il revienne en arrière, et on retrouve finalement au milieu le terrain à l'est à Tchampoint, et ça va profiter donc à Maranatha. Il va remettre le ballon en jeu. La touche à l'est. Il joue pour Soumaïla Mourou. Les Libériens. Ils reviennent. Le coach des messagers qui donne de la voix. Il doit repositionner le plus tôt possible. Ces gamins, ces joueurs, est complètement décousu. Rodrigue, il faut dire que ce n'est pas quand même un grand match que nous suivons après 20 minutes. Effectivement, à avoir les touches de balle au niveau de Maranatha de Fiopo, on a tendance à croire que c'est un club qui joue la peur dans le ventre, qui a du mal à poser le jeu, qui a du mal à s'imposer devant son adversaire. Parce que quand on évolue sur ses propres installations et devant son public, en tout cas, ça donne un certain engouement qui permet quand même de donner beaucoup plus d'assurance aux supporters. Mais là, on a comme l'impression que Maranatha se cherche, et ce n'est pas le jeu qu'on connaît à ce club qui est quand même vice-champion du Togo. Et on l'a vu jouer beaucoup de matchs avec beaucoup d'engagement. Mais là, dans une coupe continentale, en tout cas, le niveau, ce n'est pas encore ce qu'on attend. Ce n'est pas encore ce qu'on attend, peut-être c'est l'adversaire en face qui pose pour l'instant un souci à Maranatha, où le coach est en train donc de régler forcément. On espère bien que Maranatha va se retrouver. Les joueurs vont nous donner de la joie, comme on l'espère, alors que ce sont les Libériens qui se démarquent, le dorsal 20 qui renvoie, attention, pas de pied, Libériens, heureusement, avec cette reprise, attention. Attention, ça chauffe dans le camp de Maranatha de Fiopo. Mesdames et messieurs, ça cafouille un tout petit peu dans le camp togolais. Ah oui, voilà, Alès n'a pas su amortir le ballon. Ah oui, Fifi, ça donne des frissons. C'est quelques comme je le disais il y a un instant, depuis une dizaine de minutes maintenant, on ne voit que le club libérien qui a le monopole du ballon aussi bien en milieu de terrain qu'en attaque. Et voilà, ils sont encore partis dans la surface de réparation de Maranatha. La transversale qui retrouve un autre coéquipier. On va suivre ensemble ce ballon en récupération de Maranatha. Comme on le disait, je le disais il y a quelques minutes, que la balle maintenant, elle est libérienne. On voit plus les Libériens sur le ballon. Maranatha cafouille un tout petit peu. Les Libériens encore sur le ballon. Dans le temps de Maranatha. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir ensemble ce que ça va donner.
et Maranatha qui est obligé de commettre parfois des fautes. Et il va falloir pour le banc de Maranatha de réorganiser rapidement son jeu pour pouvoir permettre à ces joueurs de récupérer le ballon, d'avoir la maîtrise du ballon, d'avoir le ballon dans les pieds. Sinon, ça risque de faire mal, très très mal pour les Togolais cet après-midi. Encore les Libériens sur le ballon. Les Libériens toujours sur le ballon. Non, et l'arbitre qui intervient. Ah oui, les 5 dernières minutes n'ont pas été du tout faciles à digérer du côté des Togolais. Attention à un but libérien. Jusque-là, le Makwa du stade de Kégué indique 0-0, ce qui n'arrange pas non plus Maranatha de Siopo du Togo. Les Libériens toujours. Faute sur un Libérien. Dans le camp, dans le propre camp, je dirais. Eric Mills. Le Togolais jusque-là n'assure pas et l'assistant qui signale une faute togolaise naturellement, ce qui ne nous arrange pas, mais bon. Et le coach Dimi, le messager qui il n'arrive pas à se tenir droit parce que ça ne va pas. On ne va pas dans son camp. Il va falloir rapidement replacer les pions et contrecarrer les assauts des Libériens. Toujours les Libériens sur le ballon. Emmanuel Tarpé, le portier, Tommy Baillé. Et sur Tapé, et Tapé qui va renvoyer loin devant, et la défense des messagers va se dégager, pas pour longtemps, et ils reviennent toujours à la charge à travers cette remise en jeu latéral, bien effectuée d'ailleurs. Lafarou Yakoubou qui se bat comme un beau diable de l'autre côté. Les Libériens qui vont obtenir une touche, déjà exécutée d'ailleurs. Ça joue dans le camp libérien. Encore une touche au profit des messagers de Fioco. Et ça peut faire mouche, contrée. C'est une belle frappe. Il peut faire mouche, mais bon, contrée par la défense libérienne. Ça profite toujours au messager de Fioco, le corner. Corner. La laisse à Champon. Il faut assurer. Et c'est très, je dirais, simplement joué. Hein. Ça n'a pas été appuyé, cette frappe, cette reprise. Libérien Tony Gabé, le dégagement, pas pour longtemps, les messagers reviennent et ça perd du côté du Togo, les Libériens, ah oui, MTP qui se bat, il
Le Libéria. Dégagement. La catastrophe de la défense togolaise. Est très bien joué, mais le Libéria tient bon. Et on change de côté et ça va faire. Voilà. Toujours dans le camp togolais, dans la zone de vérité. Attention! Heureusement pour le Togo. Mesdames et messieurs, ça fait mal. Cette action, Rodrigo Arrigo. En tout cas, c'est un club de Maranatha complètement méconnaissable qui est en train de produire un jeu décousu, un jeu sans construction, un jeu qui n'en lit même pas de bonnes passes, un jeu qui fait voler à l'éclat les gestes regrettables et ça inquiète énormément. Je pense que là, le coach est interpellé, il faut revoir carrément les copies. Vous allez comprendre que Maranatha n'existe plus en milieu de terrain. Et voilà donc les Libériens qui appuient encore. Et ça joue, ça c'est un peu comme si sur un boulevard, Maranatha qui est dans la défensive, heureusement. Et ça peut jouer un peu devant, du côté droit, du terrain côté Libérien. Maranatha qui bénéficie d'une rentrée de touche, latéralement bien sûr. Et ça joue bien, on dirait de ce côté. Faute sur le Togolais. Et ce sera un coup franc bien situé, un demi-corner comme on dit Rodrigue. Mais là, ça ne me rassure pas pour le moment, après 30 minutes ici au stade de Kégué. Ça rassure du tout pas. Ça rassure pas du tout. Et maintenant, il va falloir que les joueurs essayent de se ressaisir, essayent de comprendre que c'est une compétition et essayent également de comprendre que le moindre faux pas ici au stade de Kégué, ça va être payé cash. Et donc, il faut reprendre le jeu en main et mettre un peu plus de sérieux dans les prestations et aussi, je dirais, regagner de confiance parce qu'on a comme l'impression que c'est pas des joueurs qui ont un vécu. Ça doit pouvoir changer d'un moment à un autre. Maintenant, sur ce coup franc. Coup franc d'achat-point. Oh là là, ça a été pas bien négocié. Penalty pour le Togo. Penalty pour les messagers de Fiocco du Togo. À la 31e minute. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du grand stade du Togo. À Kégué, le Togo, représenté par Maranatha Football Club, il joue au match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football cet après-midi du 11 août 2019 face aux Libériens du LISIA. Ah oui, la balle aurait touché la main du joueur ou du défenseur de LISIA qui est au sol. Et vous allez aussi qu'une occasion qui vaut son pesant d'or. Une occasion qui vaut son pesant d'or. Fifi, il faut mettre le ballon au fond des filets. Il faut le mettre dedans. Oui, il faut le mettre au fond des filets. Nous allons ensemble suivre ce pénalty. Et le joueur bien debout. Dans la surface de réparation libérienne, okay. On va voir tout ce que ça va donner. Penalty un peu contre le cours du jeu parce que c'était Maranatha qui était acculé. C'est sur une contre-attaque, on dirait que le ballon touche la main d'un joueur libérien dans sa propre surface de réparation. L'arbitre n'a pas hésité. Le coup de sifflet, qu'est-ce que ça a donné? Il frappe et c'est au fond. Ouverture du score pour Maranatha de Fiocco ici. 1-0 pour les Togolais. But au stade municipal, au stade de Kégué. Voilà l'émotion qui tente de prendre le dessus. Maranatha qui marque son premier but. Malgré la souffrance, il s'appelle Anthony Assamoah, le 213. Il a transformé ce pénalty en but et ça reprend 34 minutes. Très.
Maranatha. Et le Togo peut reprendre le jeu. Ah oui, ça joue. C'est très bien. Désormais, dans le camp togolais, c'est parti encore à cette relance. Samoa qui permet au Togolais de souffler, peut-être le deuxième but. Et la défense libérienne s'interpose. Et les Togolais et sont également aux aguets. 1-0 depuis la 32e minute. 0 pour les messagers de Fiocco. Les Libériens qui ne désarment surtout pas. Ils sont toujours sur le ballon. Ils assiègent le camp togolais. Attention, la défense togolaise veille au grain. Dafarou. Dafarou pour Moreau. Et les Libériens. Attention. Attention. Le ballon qui va passer au-dessus de la transversale. Il s'est mélangé les pédales. Il pouvait donc même toucher le ballon de n'importe quel pied et que ça ferait mouche et ça tromperait donc la vigilance du portier libérien. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Le dégagement libérien. TP Kodjo qui sorti. Les Libériens qui ne se bousculent d'ailleurs pas. Ils sont tranquilles
Et aussi, ils jouent comme à domicile. Malgré le but encaissé, ils tiennent bon. Le dégagement libérien de Tommy. Il s'est appuyé et ça a été mal exécuté. Directement en touche. À chaque point, Alès qui va jouer, qui va s'appuyer sur qui peut-être. Oh là là! C'est pas encore fini. Les Togolais peuvent assurer. Mais non, le Libéria, il va repartir. Mais pour longtemps, c'est clé. Ametepe, Kodjo. Il revient à Champoin, à l'aise, pour la MTP, oh là là, à Champoin. Petite passe, mais bon, ça tient, bon, peut-être, en tout cas, toujours dans le camp libérien. Balle au pied, les Togolais, mais qui perdent désormais au profit des Libériens. Et qui cherchent donc là une solution. La mauvaise a été trouvée, puisque les Togolais vont reprendre le jeu. Faute sur un Togolais, bien vu par l'arbitre, et qui essaie là des remontrances naturellement aux joueurs libériens. Calmez-vous, messieurs, après tout, c'est le foot. Et le coup franc togolais, et qui va l'exécuter. Ils sont deux sur le ballon, à Metepe Kodjo et à Champeau en laisse. Champoin, le 214 de Maranatha, je le disais, un joueur de talent, le métronome de cette formation, il a contribué à la qualification des messagers de Fiocco. Il faut le dire, c'est Ametepe qui va exécuter directement ça. Oh là là! Le portier libérien, Tommy. Il va retrouver qui déjà? Darius. Darius qui renvoie l'un devant. Et les Togolais peuvent renvoyer le ballon dans le camp libérien. Oh là là. En coup franc. Libérien qui permet. Attention à ses actions. Oh! Penalty pour le Libéria. Oh, qu'est-ce que ça va très mal pour le Togo. Ça va très mal pour Maranatha de Fiocco. Penalty sur penalty. Penalty contre penalty. Oh. Un 0 pour Maranatha et le Libéria qui bénéficie d'un pénalty. Et dans sa 6, Benjamin Doué. Ah oui, Benjamin Doué en face de Daoud Messan. Ah, il peut perdre aussi. Alors ça arrive. Il y a des pénaltys quand même. Deux côtés, au-dessus. Et ça peut arriver. Ici, au stade fétiche de Kégué. Mesdames et messieurs, suivons ensemble ce pénalty de Doué. Il s'avance. Il a raté. Il a raté, mesdames et messieurs. Je le disais ici à Sangwavi. On rate aussi des pénaltys. On en rate aussi. On en rate, comme tu dis. Pénalty raté par les Libériens. Qui tire et le gardien qui était sur la trajectoire strictement simplement du ballon et qui arrive à boxer ce ballon en touche, et ce sera une touche pour les Libériens pour le moment. C'est le goal de Maranatha de Fiocco qui est à terre, et les soigneurs sont à ses chevets, comme on pouvait s'y attendre, ou bien peut-être ne pas s'y attendre également. On ne pouvait pas penser que Maranatha, qui a marqué son penalty, on ne pouvait pas comprendre comment le Libéria pouvait gâcher une telle occasion. Mais ça fait du bien aux Togolais, parce qu'à quelques minutes de la fin de cette première partie,
être ou bien une égalisation du Libéria ne ferait pas du tout du bien à cette équipe de Maranatha qui depuis le début du match n'arrive pas véritablement à sortir la tête de l'eau comme on voudrait bien voir ce club de Fiocco. Il a raté tout simplement son pénalty. Ah oui, c'est le foot. Comme le dirait un entraîneur togolais, mon cher ami. Il disait tout simplement, le football est fabuleux. Ah oui. Il a raté. C'est Doué, il s'appelle. Doué Benjamin. Il n'a pas pu le mettre dedans. Et pendant ce temps, de l'autre côté, de Cotonou, où le champion du Togo joue son match aller, le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue africaine des champions, et le club togolais qui est mené de l'autre côté, vivement qu'il revienne au score. Et ici, c'est Maranatha qui mène au score 1-0, du marqué sur pénalty à la 32e minute, pénalty de Anthony Asamoah. Et la réponse libérienne n'a pu être favorable pour les gars du LISIA. Doué a tout simplement raté son pénalty. Et voilà, un corner pour le Libéria. Rapidement joué. Pas de déconcentration surtout. Il faut jouer toujours parce que les Libériens sont surtout les ballons. Merci donc à la défense togolaise. La défense togolaise qui tient bon malgré les difficultés, malgré les défaillances. Ah, étant donné que les buts sont jusque-là vierges pour le Togo, on ne peut que féliciter ses défenseurs. Et rien n'est encore joué. Il faut mettre autant de buts. Il faut mettre autant de buts avant l'expédition libérienne pour le match retour. MTP, l'expérimenté du groupe. Attention, ah, ça joue très fort du côté libérien. Très athlétique, ces gamins sont. Et le Togo peut relancer. MTP, Kodjo. MTP, Kodjo. De l'autre côté du terrain, il va retrouver. Ah oui, on revient sur lui. Et ça va jouer directement sur Alessa Tiampoint. En grand métronome, il saura quoi faire. Le technicien de Maranatha. Et ça va être une sortie de balle. La remise en jeu en 5 m50 pour les Libériens. Le portier Tommy Baillé. Baillé. Effectuer donc le dégagement, c'est parti. Dégagement qui atterrit dans le rond central. À Champoint, est-ce qu'il pourra? Il ne pourra pas récupérer. Mais ça va quand même profiter toujours au messager de Fiocco. Fergani Ayeva. On retrouve. Il ne faut surtout pas blaguer, s'amuser, non, on n'en a pas besoin. À 1-0, alors que le jeu n'est pas totalement à notre profit, il faut rester concentré, rester sérieux, soudé et bloquer si possible. Les Togolais de Maranatha de Fiocco. Ça joue très bien, il faut libérer le ballon, mesdames et messieurs. Il faut dire à ces gamins de libérer le ballon. Il faut le leur dire. Francis Ouhoussou
libérer le ballon. Les Libériens. Dans sa 7. Dans sa 7, Sam Jackson. Ah ben c'est trop facile. Et c'est la pause pour soulager les 22 acteurs. Leur permettre de prendre du jus, de se repositionner à la reprise naturellement. Mesdames et messieurs, c'est la pause ici au stade de Tégué du Togo pour cette première partie. Maranatha, El Aïssia, je dirais tout simplement que la moisson, elle est bonne, on dira, puisque Maranatha est en avance, 1-0, lui marqué sur pénalty à la 32e minute, il suffit. Oui, Maranatha qui a su marquer un but sur pénalty à la 32e minute, comme tu viens de le dire, mais dans le jeu, moi personnellement, je ne suis pas satisfaite du jeu produit par Maranatha. J'espère que le staff technique saura dire les mots nécessaires à ces joueurs-là pour qu'on assiste à un meilleur match en deuxième période. Parce que sur cette première période, les Libériens ont eu le ballon, ont dominé, mais ont péché dans la finition. Deuxième partie de ce match, après les premières 45 minutes, sur le départ, un but de Maranatha, un but marqué sur pénalty. Les 22 acteurs sont revenus sur l'aire de jeu pour la suite et fin de ce match. En temps pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Maranatha joue le Libéria, enfin les Libériens de El Aïssia. Et pour le moment, l'arbitre va arrêter donc la partie momentanément d'ailleurs parce qu'il y a un joueur du Libéria qui est par terre. Et les soigneurs qui espèrent de sauver leurs joueurs. Le groupe de Maman Togo qui est venu en soutien au président. Honorable Gabriel Améhi de Maranatha de Fiorport. On connaît une relation qui lie depuis plusieurs années les deux responsables, bien nommé Maman Togo, du côté du groupe, les supporters, et l'honorable Gabriel Améhi, ancien président de la fédération et président de Maranatha, ancien de Fiorport. Je n'ai pas compris pourquoi ce joueur de Maranatha de Fiorport, Francis Owusu, qui était donc déjà dans la surface de réparation avec son ballon, il retourne en arrière pour retrouver un coéquipier alors qu'il pouvait jouer vers l'avant et créer peut-être une situation dans la surface de réparation. Maranatha toujours avec cette relance et ça va être une sortie de balle en touche.
il a joué, il a exécuté, il s'est bien joué tout ça. Owusu, il revient toujours en arrière, ce garçon. Il revient toujours en arrière, Owusu. Il ne joue jamais vers l'avant, c'est un peu... Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Situation d'hors-jeu, même vu par l'arbitre assistant 2, Hachoumou, Herman, Arthur, Mélène, Agui, de la Côte d'Ivoire. Un attaque qui reprend. Son propre camp. Bien harcelé par les attaquants libériens. On peut franchir la médiane et on retourne en arrière. On va retrouver les défenseurs. Fergani Ayeva. Ayeva sur le côté. A jouer sur qui? Yao Dobevi. Ce sera une touche au profit des messagers de Fiocco. Bien exécuté. On peut renvoyer dans le paquet. On retourne en arrière pour qui? Ametepe Kodjo. Ametepe Kodjo qui tourne sur lui-même et se fait tacler. Il est pas terre. Il va se relever, c'est un grand garçon. Et le doyen de cette formation, le plus expérimenté du groupe, sûrement, c'est... Dernières années en tant que footballeur, sûrement. Est-ce qu'il a le sang Maranatha dans ses veines? Il va toujours demeurer Maranatha. Il va demeurer toujours Maranatha. Une supposition. Nous sommes dans la zone de vérité du club libérien MTP. On revient en arrière, on peut reconstruire et on relance. Faute sur le joueur togolais. Gustave Yeboa, notre technicien de ce club. Il a permis également, il a contribué comme je l'ai dit tantôt à la qualification des messagers pour cette coupe CAF à Champon, à l'Est à Champon pour ce joli coup franc. Et c'est joué. Et la tête n'a pas pu bien ajuster. Ça reprend avec cette contre-attaque. Et Maranatha qui revient les joues. Ah oui, ça signale une faute de l'autre côté. Signalé par l'arbitre assistant 2. Les Libériens peuvent reconstruire. Attention, il est seul. Et ils sont très libres, ces gamins. Ah oui, heureusement que l'attaquant libérien est peut-être court sur cette action, sinon ce serait vraiment compliqué pour le Togo et les messagers de Fiocco. Il faut jouer vers l'avant et créer le surnombre. C'est très important. On a besoin des buts. On en a véritablement besoin pour assurer la qualification avant la manche retour à Monrovia. Conner. Conner.
pour Maranatha de Fioco. Signale la présence des premiers responsables du foot togolais, membre de la Fédération togolaise de football, Alessa Champon. Pour le corner, Alès, c'est bien envoyé à MTP. Ça peut repartir. Allez, on revient. C'est clé. MTP pour Achampoint. Bien joué. Il est parti, le garçon. Il a été interloqué de son passage. Je le disais, ce garçon, c'est un métronome, c'est un technicien fin. Ah, il peut créer la surprise à tout moment. Et c'est ce qu'on attend de lui. À Champoint, c'est ce qu'on attend de toi, s'il te plaît. Faute sur le défenseur de Maranatha de Fioco. Jouons encore 10 minutes après la pause. Oui, 10 minutes après la pause, on peut dire que ça va beaucoup mieux dans le camp de Maranatha. En ce début de seconde période, les messagers de Fioco sont plus sur les balles maintenant, sont plus dans le jeu, sont revenus plus requinqués. On espère que ça va durer jusqu'à la fin de la partie ainsi. Et il va falloir mettre encore un ou deux buts pour éviter toute surprise au match retour à Monrovia. C'est un coup franc bien placé là maintenant pour le club de Maranatha de Fioco. Je disais à Abel tout à l'heure qu'on voit une meilleure équipe de Maranatha en ce début de seconde période. On espère que ça va durer jusqu'à la fin de la partie. On espère également un ou deux buts de Maranatha. Il faut les marquer parce que le match retour sera très disputé à Monrovia. Quand on voit cette équipe libérienne, on va suivre ensemble le coup franc est parti, la balle est partie, et le but, et le deuxième but de Maranatha de Fioco. Comme on le disait tout à l'heure, Maranatha joue mieux en ce début de deuxième période, et sur un coup franc bien lifté. Et la tête, la reprise de la tête de Yakubu Gafarou. Et ça fait le deuxième but de Maranatha, c'est 2-0 pour les Togolais. Deuxième but pour le Togo. Deuxième but pour le Togo sur un coup franc bien ajusté de Alessa Champoin, Yakubu Gafarou. Un coup de tête magistral. Va mettre le nommé Tommy. Ne fera que constater les dégâts. Les joueurs de Maranatha sont présents sur toutes les balles en ce début de deuxième période. Et je le disais qu'on espère que ça va durer jusqu'à la fin de la partie. Et oui, ils nous ont répondu. Et de la plus belle des manières, en inscrivant ce deuxième but de la tête de Yakubu sur un centre de Alessa Champon, le joueur, le métronome de Maranatha dans cette partie, même on peut dire le métronome de Maranatha depuis la saison dernière. Et ça fait 2-0 pour le club togolais. Encore une occasion, la frappe, mais ça a été une frappe molle. Hein, de Gustave Yeboah, mais le gardien était sur la trajectoire. Ça fait toujours 2-0 ici pour Maranatha de Fioco. Il ne faut surtout pas encaisser de but. Ce sera très très important pour le match retour. Surtout pas encaisser de but. Essayer d'en marquer encore un autre. Et ça fait 3-0. Et on saura que pour le match retour, essayer de faire un match nul à Monrovia, et ça sera joué. Faire un match nul à Monrovia, ce sera joué. Et Maranatha qui va se retrouver naturellement au second tour. Et tout le souhait du public sportif togolais et l'oiseau togolais des messagers de Fioco, Daoud Messin. Ah oui, qui saute de l'autre côté pour capter les pures, en tout cas les balles. Toutes les balles. Il lui parle bien, attention, pas de bévue, surtout pas.
Pas de bêtises, monsieur. Oui, ça, parce que c'est une bêtise de la part du gardien. Il avait l'occasion de donner la balle à son coéquipier ou bien de dégager tout simplement, mais il s'est mis tout simplement la pression en voulant un peu retarder les géants ou en voulant retarder un peu le jeu. Je crois que nous ne sommes pas encore à l'heure là. Il faut maintenant jouer toutes les balles. Quand il faut dégager, il faut dégager. Quand il y a un coéquipier tout prêt, il faut lui donner la balle. Sinon, ça va faire très mal. Sur le corner, on va suivre le corner des Libériens. Corner tiré, dégagement des Togolais. La balle pour les Togolais à Champoint qui part, mais il y a une faute. Et la vie revient là-dessus. Là, revient sur la faute. Et c'est très mal situé, c'est très mal. Ouais, c'est à l'entrée de la surface de l'opération. Très mauvais. De Maranatha. Très mauvais pour le Togo. S'ils ont un très bon tireur, c'est au fond des filets. Hein. C'est très, 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 très dangereux. Très dangereux, ça, il faut le reconnaître. On va ensemble suivre ce coup franc des Libériens. On va voir également le positionnement du mur togolais. Le gardien qui est en train de positionner son mur. On a vu ça, genre de coup franc à la CAN. À la CAN, oui, la dernière fois. On se rappelle même du but algérien. À la dernière seconde, on est là. C'est pratiquement le même coup franc à la même distance. Il faut faire extrêmement attention. Le coup franc va partir. Il frappe. Et ça au-dessus. Heureusement. Je disais, il faut un bon tireur. Apparemment, il n'y a pas de bon tireur de coup franc dans le camp des Libériens. Sinon, c'était une belle occasion pour les Libériens. Les messagers vont pouvoir maintenant repartir. Les messagers vont repartir. Et cette fois-ci, le portier a été beaucoup plus sérieux. Attention à ce genre de combinaison. Il faut jouer vers l'avant. Est-ce qu'il ne va pas? Les Libériens, à l'entremise du dossard 7, Sam Jackson, il s'appelle. Là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué pour les messagers. C'est un corner pour le Libéria. Rapidement joué. On peut retrouver un attaquant. Ah oui. Dans ses grimaces, il n'a pas su quand même avancer. C'est le Togo par l'entremise d'Alès à Tiampoint. Alès qui renvoie encore une fois dans le paquet. Il va jouer sur qui? Il va jouer sur Francis. Francis qui n'arrive pas à jouer vers l'avant. Francis, il ne joue pas vers l'avant, Fifi. On a l'impression que quand il a la balle, il ne veut pas essayer, il ne veut pas aller de l'avant. Soit il doit ramener le ballon derrière pour un coéquipier. Et même là, même sur cette occasion, il aurait pu jouer depuis, aller de l'avant. Mais je ne sais pas pourquoi. Et il faut revoir véritablement sa façon de jouer. Et c'est une occasion de gâcher pour les messagers de Fiocco. Une occasion de gâcher, plusieurs occasions on dirait, parce qu'il a maintes fois retourné le ballon et qui avançait donc vers, qui évoluait naturellement vers le but libérien. Arrêt momentané dû à la blessure d'un joueur de Maranatha, Yakubu, qui va se relever. Il est debout, ce grand garçon du Togo, l'auteur du deuxième but. On attend encore d'autres buts du côté des messagers de Fiocco. Ça ne fera que du bien au président de la République, Son Excellence M. Faure et Sozimania Zimbe. Il verra encore une fois ses équipes franchir le cap du premier tour dans une coupe continentale. Maranatha est sur la bonne voie. 2-0. Il faut le faire. Et il faut corser l'addition. Et on a toutes les chances
On a toutes les possibilités. Le public est là. Maigre qu'il soit, on peut compter avec lui. Merci à la défense togolaise qui assure en cette deuxième partie le Togo. Voilà toujours Yeboua. Les Libériens. On ne voit pas beaucoup hein, dans cette rencontre aujourd'hui. On voit plus Alès Achampon comme véritable métronome de cette équipe. Un très bon joueur. Un très très bon joueur, c'est Alès Achampon. Le Maranatha toujours à le ballon. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Il récupère. Il sert son coéquipier Alès Achampon. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il rentre dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se mélange pas les pieds. Il frappe et ça passe à côté. À côté, Abel, c'était encore une belle occasion pour Maranatha de Fiocco. C'était encore une belle occasion. C'est toujours le meneur, le métronome à Alès Achampon, qui a servi donc ce plateau d'or, on dira, à Mete Pekodjo, qui a lancé, en tout cas, qui a mis le pied sur le ballon. Et malheureusement, ce n'était pas cadré. Mais ça passe légèrement, hein, légèrement à côté. Et au fond des filets, ce sera été un très beau but. Et il faut le reconnaître. Et là, c'est un joueur de Maranatha qui se tord de douleur. Le jeu a arrêté momentanément. Alès qui se tord de douleur. Vous savez, il a ses manières de sa façon de jouer. Et qui intéresse certains entraîneurs, mais qui, quand on est mené, embête un tout petit peu le public sportif parce qu'il ne libère pas très vite le ballon. Oui, oui, il ne libère pas très vite le ballon. Il veut tout faire tout seul. Et là, quand on est dans un match de qualification, moi je dirais que c'est un match de qualification, on ne doit pas s'adonner à ce genre de phase de jeu, quoi. Là, c'est s'amuser avec le ballon. Non, pas s'amuser avec le ballon. Il faut aller de l'avant, il faut chercher son coéquipier, il faut donner. Quand il faut donner, il faut aller de l'avant, il faut chercher le but. Parce qu'à la fin, ce sont les buts qu'on compte. Hein. Ah oui. On ne compte pas les bons jeux. Les bons gestes non plus. On compte les buts. Encore. J'étais remonté du côté de Maranatha de Fiocco. On est dans le demi-camp réservé à la formation. Et ça joue bien, oh là là! Il a été signalé en position d'hors-jeu. Yakubu Gafarou. Yakubu, parce qu'il attendait. Il était là-bas depuis, il attendait le ballon. Ça, c'est bien vu de la part de l'assistant. Maranatha. Il a triché un peu ou bien il a voulu tromper. Il a voulu tromper un tout petit peu. Maranatha est dans une très belle phase de jeu maintenant. Il va falloir mettre la pression pour inscrire un troisième but maintenant et pour être à l'abri de toute surprise lors du match retour. Lors du match retour à Moronvia, les 23, 24, les 25 août prochain. Attention, il s'est bien capté. Très bien capté. Messin, Taou. Et un confrère me faisait la confidence tout à l'heure en voyant donc l'équipe de Maranatha. Il y a eu quand même un très bon recrutement qui est fait. Il reste naturellement le positionnement et l'engagement dans le jeu. Oui, ça c'est vrai. Hein. Un très bon recrutement. Maintenant, vous allez voir que lors de la première partie, il manquait un peu de cohésion dans le jeu. Ils ne se retrouvaient pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance de jouer beaucoup de matchs ensemble. Il y a eu des entraînements tout simplement. Et puis, je crois, un ou deux matchs amicaux. Ça ne suffit pas pour pouvoir intégrer des nouveaux joueurs. Maintenant, vous allez voir qu'en deuxième période, ça va beaucoup mieux. Parce qu'ils ont pris le temps de se voir un peu en première partie. Maintenant, en deuxième partie, ils se retrouvent. Si cette équipe travaille ensemble encore quelques semaines, ça va produire du très, très, très bon jeu. Ça va produire du jeu. Et le jeu, pour le moment, évolue donc du côté de Maranatha de Fiocco. Et un changement se prépare dans le camp libérien. Edossa 8 fait son entrée en lieu et place. Edossa 3
On dira que c'est 8 heures. Il s'agit là de John Momo et qui rentre en lieu et place de Michel Témé. Les Libériens, ils reprennent le jeu. Le Dosa 7 qui fait face à ses clés à MTP Kodjo. Et ce sera. Ah non, c'est pas sorti. Attention, faut pas traîner les pas, surtout pas. Ils se sont cognés entre eux et ils réclament quoi de l'autre côté. L'arbitre est très proche de l'action. L'arbitre ivoirien, Kouassi Biro, de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, je mélangeais. L'arbitre Kouassi Biro, très bon sur. On dira, il est très bon dans ce match. Le Dossard 18 de Maranatha qui rentre en lieu et place du Dossard 10. Yeboua qui sort. Yeboua Gustave sort et laisse sa place à Kokou Godui, un autre technicien de couloir. Est très bien joué sur ce retour. Voilà les premières balles de Godui. Ça joue. Bien du côté des messagers, mais il faut encore marquer des buts pour se mettre à l'abri de toute surprise en match retour. Godui, attention, Godui faute sur lui. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer. Ah, Kouassi Biro. Il est dans son match. Maranatha. Elle. Aïe, SIA. C'est un club corporatif. Libéria, il devrait avoir beaucoup de moyens. On n'a pas besoin de ces actions dans le camp togolais. Le dégagement, il va partir du côté des messagers de Fiorco, Daoud Messan. Dégagement qui va atterrir sur la tête d'un coéquipier appuyé par Alès. Faute. Carton jaune pour le défenseur libérien Kemo Sidiki Camara. Pour un petit jeu sur Yakubu Gafarou. Ils deviennent agressifs, ces garçons. Et comme on le dit, c'est le foot. 90 minutes et on reprend les habitudes. Et connaissant bien le président du club du Togo, l'honorable Gabriel Ameyi. Ah oui, vous serez tous invités à la fête de cette victoire, chers amis libériens. Le Togo et le Libéria partagent de très bonnes et entretiennent de très bonnes relations. Il faut la conserver entre les excellences, ou bien ces excellences, et messieurs forts, Nzimbe et Georges Ouya.
est une amitié sincère. Ça devrait donc être le cas également du côté des concitoyens que nous sommes. Nous sommes des citoyens d'Afrique. Et on devrait pérenniser l'union et la concorde africaine. À travers le foot, il faut prôner la paix et l'amour du prochain. C'est d'ailleurs pourquoi le football est assis ou est axé sur des bases fondamentales, axé sur le fair play. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du stade du Togo à Kégué. Encore 15 minutes pour le temps réglementaire ici dans ce match entre Togolais et Libériens. Le match des clubs, bien sûr, les vice-champions des pays. Et ici, on se retrouve avec deux pays, le Togo et le Libéria, à travers le représentant Maranatha de Fiopo du Togo et le LICA du Libéria. Le LICA du Libéria, qui c'est quand même c'est une très bonne équipe, hein, parce que quand vous voyez un peu le palmarès du club, fondé en 1995, qui avait dans son sein quelques internationaux libériens, qui a gagné plusieurs fois la Coupe du Libéria, le championnat même, la Super Coupe du Libéria. Donc vous comprenez aisément que c'est un club, c'est l'un des clubs les plus nantis de Libéria qui est en face de Maranatha cet après-midi. Et une équipe qui doit avoir également beaucoup d'ambition, envie de jouer peut-être le second tour de la Coupe CAF, pourquoi pas. C'est un rêve qui est permis à tout le monde. Et pour le moment, Maranatha qui a toujours le pied sur le ballon, qui cherche, ils ne se sont pas compris. Ils ne sont pas compris. C'était un très bon geste. Les Libériens qui vont pouvoir repartir maintenant dans le rond central. Une touche libérienne dans le rond central. Le Libéria qui a le ballon. Récupération rapide du Togo. Les joueurs, les messagers dans le rond central. Qui retrouve un copiqué. Une mauvaise passe de la part des Togolais qui doivent aller sans pression, hein, qui doivent jouer décontracté. On a senti des joueurs un peu pressés tout à l'heure, mais ils vont encore partir. Les Togolais qui dépassent le rond central, récupération libérienne. Baudu il vient quand même de faire son entrée, il doit rester concentré ce match. Tu dois bien entrer dans ce match, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Naturellement. C'est ce qu'on a semblé voir tout à l'heure, hein, quand il avait le ballon. On sent une équipe libérienne fatiguée aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est la tactique mise en place en cette deuxième période par le coach. Et ça ne devrait pas endormir également Togolais. Les Togolais, parce que là, c'était un mauvais geste, mais un geste de la. C'est Alès à Champoint qui redonne carrément le ballon aux adversaires. Ce n'est pas normal, on mène pas 2-0. Il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention parce qu'un but marqué à l'extérieur vaut beaucoup au décompte final. Surtout pas prendre un but de la part des Libériens. Si on ne peut plus en marquer, au moins qu'on n'en prend pas et qu'on finisse ce match-là 2-0 pour espérer un résultat meilleur ou pour espérer peut-être un match nul ou même si une petite défaite d'un 2-0 au Libéria pour pouvoir s'en sortir. Il faut tout faire pour s'en sortir et maximiser ses chances à domicile. C'est ce qu'on souhaite au club togolais, qui est sur la bonne voie d'ailleurs, il faut le dire, un coup franc pour le Libéria. Et voilà, des deux côtés, ce n'est plus la même faveur. Ce n'est plus la même faveur dans le rond central. Le joueur libérien, Emmanuel Tarpé. Et son ballon qui va mourir dans les pieds de Daoud Messan. Il ne se presse surtout pas.
Et il va permettre à ses coéquipiers de souffler un tant soit peu. Et le dégagement qui va partir. On prépare la défense libérienne. Alès à Champoin, bien joué. Ça combine très bien entre Alès et Yakubu. Et il peut balancer devant et ça peut s'y prendre. Il n'y avait personne. Oh là là. Il est ce ballon parce que devant le gardien, il n'y avait plus de défenseurs devant le gardien. Il fallait simplement voir à ce moment-là un joueur de Maranatha pour mettre le troisième ballon au fond des filets. Il ne faut pas regretter tout ça à la fin. Il faut aller chercher ce troisième but à Alès à Champagne. Quel joueur ce garçon. Un très bon joueur. Regardez la foule. Encore Alès à Champagne qui sert magistralement Yakubu Gafarou qui rate le cadre encore une fois. Il faut mettre ce troisième but au fond des filets. Ce troisième but est important. Ce troisième but est très important pour le Togo. Ah oui, c'est la prévision. S'il vous plaît, messieurs. À Champon encore une fois. Ah oui, ça joue très bien ce garçon. À Champon, Yakubu, Gafarou. Un défenseur. Et qui ne désarme surtout pas. Ils vont franchir la médiane et rentrer dans le demi-camp réservé à la formation togolaise. Et l'arbitre qui échange là avec Alès Champon, un joueur de grimace. Ah oui, il a commencé par faire sa grimace, le garçon. À Champon qui est par terre et qui discute avec. Et le problème, c'est qu'en première période, tu te rappelles qu'il s'est blessé. Il s'est blessé, il se blesse toujours. Je ne sais pas si. Avant la fin de chaque match, il se blesse toujours. Je ne sais pas si. Il ne libère pas le ballon. Il veut faire un peu du Neymar. Vous savez, quand tu joues comme ça, là, les défenseurs souvent te blessent. En cherchant à récupérer le ballon, te blesse rapidement. Il doit souvent libérer le ballon. Mais je l'ai mieux vu en deuxième période où il ne conservait plus trop. Et ça a permis quand même de marquer le deuxième but. Ça a permis à Maranatha d'inscrire le deuxième but. Yakubu Gafarou, il a minutes qu'il y avait deux. C'est en cinquième allo. La partie poursuit toujours avec les joueurs de Maranatha. Le joueur qui a été bousculé, l'arbitre vient signaler le coup franc. Bien joué. Bauduit sur Bauduit qui a joué avec à Champoin. Yakubu Gafarou qui va passer. Bauduit. Il peut tenter quelque chose, mais bon, elle n'a pas été concluant, tout simplement. Le garçon de Maranatha est surchargé de l'autre côté. MTP, attention. Il n'avait pas calmé son pied, tranquille. Anthony Asamoah. Deux, en tout cas, deux joueurs sont par terre. Un de chaque côté. Un joueur libérien et un joueur togolais. Dans 9 minutes. Encore 6 minutes. Le temps réglementaire. Togo mène 2-0 face au Libéria. Le stade fétiche
de Kégué, qui porte toujours bonheur. Ah oui, comme mon frère et ami, et cher ami et ami de... De tout le monde. Gatiko qui nous prête les mots. Que nous saluons au passage. C'est parti de l'organisation à Samoa. Et bien marqué! C'est marqué! Oh là là! C'est raté! Oh là là! Ils n'ont pas le pompier! Ils n'ont pas vraiment pas le pompier! Ils n'ont pas le pompier! Le ballon qui passe tout juste à côté des cages libériennes. C'était pratiquement le troisième but. C'était pratiquement le troisième but. T'as attendu parce que c'était la prévision. C'est 3 buts à 0. C'était la prévision. Donc on attend impatiemment ce troisième but. Il y a encore quelques minutes à jouer. Hey, il faut attendre le troisième but. Dis bien, le manager général, bien nommé l'honorable Gabriel Améhi de Maranatha de Fiocort, il a souvent dit, l'homme de chez nous, le football, c'est pas de la magie, c'est du travail. Ah oui, quand vous travaillez, les résultats suivent. Football, là, Aboua, Mmadjekiyo. Attention, Olivérien qui veulent nous surprendre. Ah, d'accord, poser un tout petit peu vite ici, Fifi. Oui. Ils veulent passer outre. Oui, parce qu'ils ont envie de marquer ce seul but là. Non. Qui peut tout changer. Yakubu, qu'est-ce qu'il va faire? Penalty. Indiscutable. Pour Maranatha de Fiocort. Penalty convenient, penalty pour le Togo. Penalty, il avait pris seul la balle. Il a éliminé pratiquement tous les défenseurs. Il a été bousculé dans la surface de réparation. On ne se pose plus de questions. C'est un penalty indiscutable. Ah oui, comme le dirait quelqu'un, Fifi. Penalty indiscutable. Maintenant, il faut le mettre au fond des filets. Il faut le mettre au fond des filets pour le troisième. Et voilà le troisième but. Tant attendu. Suivre ce penalty qui est sur la balle, il se lance, il frappe et c'est au fond. Voilà le troisième but. T'as attendu, ça fait 3 buts à 0 pour les Togolais. 3-0 pour le Togo, Fifi. Le troisième but, t'as attendu. On parlait d'une prévision de 3 buts à 0 et c'est fait. Maintenant, il va falloir conserver ce score. Le match est presque fini. Conserver ce score jusqu'à la fin. Conserver ce score. Il y a de ces noms là. Occident, Salif. Tu connais? Abel Zendo Gigant. Salif. Sûrement que son papa est Occident et sa maman. Salif. Il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il faut conserver cet acquis jusqu'à la fin. Maranatha 3, LACA 0. Nous sommes à Kégué, notre terrain porte-bonheur. Et pendant ce temps, de l'autre côté de Cotonou, c'est ASTK, le champion du Togo, ASTK, qui égalise.
fait du bien. La moisson est bonne pour le Togo. Il ne faut surtout pas que ce gardien-là nous fasse peur ici en cette fin de partie. Surtout pas. Un quatrième but, Fifi, ne ferait pas mal. Non, pas du mal à personne. Ah voilà. Un quatrième but ne ferait pas du mal à personne. Et il faut donner le ballon. Il faut libérer le ballon, s'il vous plaît. Il faut libérer le ballon. Il ne faut pas permettre à ce Libérien d'avancer. Il avance, ce garçon. Il rentre dans la zone de réparation. Et il va jouer au-dessus de la transversale. Il va mettre le ballon au-dessus. Un peu de frisson. Et la peur est épargnée. 4 minutes. Du temps additionnel. Encore 4 minutes pour le Togo. Le Togo peut marquer le 4e but avec ce chiffre 4 présenté par le 4e arbitre officiel. Attention à ces Libériens qui appuient, qui veulent coûte coûte dévierger le filet togolais. Il ne faut surtout pas corner pour le Libéria. On est pour le Libéria qui presse le jeu. Attention, il s'est bien capté. Il va se reposer un tout petit peu. Le connaissant. Ah oui, le connaissant. Mais il faut éviter des cartons aussi. Il faut éviter des cartons, naturellement. Nous sommes dans les arrêts de jeu là, hein, parce que ça fait déjà une minute que le temps additionnel et le temps réglementaire est fini. Maradata encore, Audui. Audui. Ben est-ce qu'il a véritablement apporté ce garçon? Non. Je n'ai pas vu grand-chose depuis son entrée. Eh, attention! Bien joué! Très bien joué, très bien défendu. Les Libériens qui veulent à tout prix marquer un but, hein. Faut dégager. Nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant, il faut dégager. Voilà. Les arrêts de jeu là. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Oui. Encore 2 minutes là. 2 minutes à jouer. Il ne faut surtout pas céder. Ça, c'est une faute, un coup franc très dangereux. Hein. Et un carton et jaune. Un carton également. Jaune pour Asamoah. L'auteur du premier but. L'auteur du premier but. Il ne faut surtout pas céder à la pression des Libériens. Il faut dire quand même que l'organisation de ce match est assurée par le numéro 1 des événementiels au Togo. Le numéro 1, oui, en matière d'organisation de sport, des grands événements. D'événements sportifs, surtout, naturellement. Sergio Sport. Et qui magistralement très bien l'a encore fait. Dégagement de la défense togolaise. Maradata qui va pouvoir repartir maintenant dans le rang central. Il s'en va, il part, il a le ballon. Et faute sur Baudouin, hein. Dans le rang central, c'est quand même un bon coup franc parce que ça permet à Maradata de dégager son camp et de brûler quelques minutes encore. Un dernier changement dans le camp de Maradata. Un dernier changement, ça s'appelle changement technique. Technique parce qu'il reste moins d'une minute maintenant. Moins d'une minute et les changements. En ce genre de période. Non, il faut pas perdre de balle. Il faut marquer le 4e but. Attention. Voilà. Bien joué, bien défendu. Belle récupération là-bas. On parlait de la structure Sergio Sport qui sûrement va organiser également le match retour du grand champion du Togo. C'est déjà confirmé. Confirmé. À SCK. Ce sera toujours ici. Qui réussit, hein, qui le nul en déplacement, voilà, avec le but marqué. C'est très très important. Très important.
surtout le but marqué à l'extérieur. But marqué à l'extérieur. Encore quelques secondes. Et c'est fini. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce match entre Togolais et Libériens. Maranatha de Fiacon du Togo, 3, LAISIA, 0. Merci d'être avec nous. Merci d'accompagner le club togolais. Oui, c'était la prévision, hein, notre prévision à nous. Et il fallait marquer beaucoup de buts pour pouvoir assurer la qualification, on l'a dit, d'ici, avant le match retour. Maintenant, Maranatha maintenant se prépare pour aller faire un match nul, pourquoi pas même gagner à l'extérieur, c'est encore possible. Parce qu'on a vu une meilleure équipe libérienne en première période, en deuxième période, cette équipe libérienne était inexistante. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, mais on n'a pas retrouvé l'équipe libérienne comme nous avons vu en première période. Donc ce que je me dis, avec la cohésion retrouvée dans le camp de Maranatha en deuxième période, je me dis que cette équipe est capable d'aller titiller, d'aller déranger l'ASR en match retour. Merci Fifi pour l'assistance. Merci également à Rodrigo Arrigo qui a commencé avec nous. Merci à notre consultant de loin, Hugo Atiko Vignon, à la caméra. Comme là, de Béabel, Zindodi, c'est parti et c'est fini. Donc pour ce match, à la prochaine.